Les mauvaises langues sont toujours là. Tonya, dis la vérité. Tonya ? Comment vous sentez-vous ? Ceux qui m'haïssent disent toujours « Tonya, dis la vérité ! » Tonya, une question ! Ça n'existe pas, la vérité. Tout le monde a sa propre vérité. Mais ça n'existe pas, la vérité. Chacun a sa propre vérité. À un moment donné, j'ai été la meilleure patineuse artistique du monde. J'étais la meilleure patineuse artistique du monde pendant un moment. C'est ce que t'appelles patiner, bordel. Pas de gros mots devant les enfants. J'ai rien dit de mal, connasse. C'est ça pour toi une glisse propre, nom de Dieu ? Ne jurez pas devant les enfants. J'ai pas juré, connasse. Qui c'est ? Vous avez baisé ? C'est qui, elle ? Vous avez déjà baisé? On veut quelqu'un qui vient d'une famille avec de bonnes valeurs morales. Je viens pas d'une famille avec de bonnes valeurs morales. Il nous faut une famille américaine équilibrée. J'ai pas une famille américaine équilibrée. On aurait dit une grosse gouine empotée. J'ai eu honte pour toi. T'avais autant de grâce qu'une grosse lesbienne. J'avais honte pour toi. J'ai passé ma vie à me faire dire que j'arriverais jamais à rien. Toute ma vie, on m'a répété que je serais jamais bonne à rien. Eh ben, vous voulez que je vous dise ? C'est ce qu'on va voir. Mais vous savez quoi ? C'est peut-être faux. 4.8. Faut que je fasse quoi pour avoir des notes justes ? Nous jugeons aussi la présentation. Suce-moi la queue ! Faut faire quoi pour avoir des bonnes notes ? On juge aussi la présentation. Suce-moi la queue ! Il va falloir égaliser les chances. Je connais un gars dont je devrais même pas dire le nom. Derek. On va remettre les compteurs à zéro. Je connais un gars, je devrais même pas le nommer. Derek. La presse m'a présenté comme un tas de merde. J'ai jamais fait ça. Les médias voulaient me faire passer pour un tas de merde. Ça, j'ai jamais fait ça. Qu'est-ce qui se passe ? On travaille pour le FBI. Ils savent quelque chose. Que pourriez-vous nous dire à propos de Tonya Harding ? Je connais pas de Tonya Harding. Vous n'êtes pas son garde du corps ? Qu'est-ce qui se passe ? On est du FBI. Ils savent quelque chose. Que pouvez-vous nous dire sur Tonya Harding ? Je connais pas de Tonya Harding. Vous n'êtes pas son garde du corps ? Quand j'étais petite, est-ce que tu m'as aimée ? J'ai fait de toi une championne en sachant que tu finirais par me haïr. Voilà le sacrifice que fait une mère. Et je le paye. Quand j'étais petite, m'as-tu déjà aimée ? J'ai fait de toi une championne en sachant que tu m'haïrais pour ça. Et c'est un sacrifice qu'on fait comme mère. Tu m'as porté malheur. Les gens, ils veulent quelqu'un à aimer. Mais ils veulent surtout quelqu'un à haïr. L'Amérique. Les gens veulent quelqu'un à aimer. Et ils veulent quelqu'un à détester. Non, mais sans blague! Il faut être complètement malade pour dézinguer le genou d'une copine. Qui ferait un truc pareil à une copine? Je veux dire, quand même, quel genre de foutu débile démolirait le genou d'une de ses amies? Qui oserait faire ça à une amie? Maintenant. Lâche-moi.